زول فلوان مرحبا يسوان. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur des commentaires que j'ai reçus depuis la création de ma chaîne. Et apparemment, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Je vais expliquer à ces gens-là qui mettent des commentaires pareils. Ça va être une vidéo en français, en langue française, parce que j'ai beaucoup de spectateurs francophones qui me regardent. Je vous ai expliqué tout ça tout à l'heure. Le premier commentaire qui revient, et depuis la création de ma chaîne, c'est, moi je le considère un commentaire raciste, et il fait des préjugés sur les Kabyles. Les Kabyles mangent du porc, les Kabyles boivent du vin, les Kabyles se convertissent. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces préjugés. En plus, si c'est vrai, pourquoi on s'en fout? Chacun est libre et fait ce qu'il veut. Le Dieu nous a créés libres, libres. L'essentiel, on ne fait pas du mal. On se respecte mutuellement, c'est ça l'essentiel. Il faut regarder l'humain lui-même. Voilà, c'est vraiment, c'est pas que sur ma chaîne. Voilà, je voyais sur les chaînes, tu vois, il y a la question Kabyle, la question Amazigh, question qui revient. Et je vais dire à ces personnes-là, on est libre. Je reviens sur cette question. Je disais, le Dieu nous a créés libres, ouais, libres pour vivre librement. Si vous voulez voir la signification de Amazigh, c'est un homme libre. Alors les Kabyles, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur, chacun est comment, chacun a sa mentalité, chacun comment il voit la vie, chacun comment il veut vivre, chacun il choisit ce qu'il veut manger. Ça ne regarde pas. Il faut chacun pense à lui-même et ne pas juger les gens et de ne pas donner voilà, des certitudes et de généraliser. C'est ça le problème, de généraliser. Je vais fermer ce point. Je vais revenir sur un autre commentaire qui revient sur le Kabyle, mon Kabyle, comment je parle Kabyle. Au début, quand j'ai créé ma chaîne, c'était vraiment pour faire des vlogs, pour faire des routines. Après, je voyais des gens, ils veulent apprendre le Kabyle. C'est là que j'ai commencé à faire des petits cours courts. C'est 5 minutes, 6 minutes, maximum 7 minutes pour leur apprendre des petits mots, des petites phrases. Ils aiment apprendre et moi, j'aime faire plaisir, j'aime satisfaire les gens et j'aime transmettre. Alors, la première vidéo, c'était leur dire que je vous apprends ce que j'ai appris. Pas j'ai appris à l'école, parce que j'ai pas appris à l'école. C'est mon entourage. Ils me disent que tu parles pas Kabyle. La première vidéo, quand j'ai fait la première vidéo d'apprentissage de Kabyle, je vous ai dit, je vais vous apprendre ce que j'ai appris, pas ce que j'ai appris. Depuis ma naissance, je parlais ce Kabyle, voilà, avec mes parents, avec les voisins, avec mon entourage, toute la vie. Ce Kabyle. Et sur la vidéo, je vous ai dit que le Kabyle est mélangé de l'arabe et de français. Voilà, je vous ai dit. Après, si vous voulez apprendre, je vous propose des fois des mots que j'utilise et je vous propose des mots qu'il faut, quand je les connais, je vous propose les mots à dire en tamazir. Quand je les connais, quand je les connais pas, je peux pas inventer des mots. Et les gens, ces gens-là, ils me critiquent. En plus, c'est même pas avec gentillesse. C'est vraiment, je sens, c'est comme une agression. Ils m'agressent pendant leur message. Et quand on fait un commentaire, on critique quelqu'un, il faut le dire d'une manière sympathique. Je vais à un autre commentaire. Un autre commentaire qui me dit, bon, il s'appelle déjà Arkbaïlin Tidet, ça veut dire le vrai Kabyle. Voilà, je ne sais pas s'il y a des faux Kabyles. Vous me dites. Maïlan Arkbaïlin Tidet, Arkbaïlin Tidet. Wayina,
il a regardé ma vidéo d'apprentissage, une de mes vidéos. Il m'a dit sans intérêt, changer de sujet. Voilà, il m'a dit changer de sujet. Il y a plus important, voilà, pour lui, il y a plus important que la langue. Alors, il me dit présenter l'identité depuis des millénaires. Je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais bien le faire. Il me dit, au lieu de nous bassiner avec la langue, après, il me dit, voilà, il m'a cité une langue sans histoire qui voulait disparaître. C'est le chacun qui dit ça. Voilà, monsieur, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais pour le moment, ce que j'ai à donner, je fais des routines, je fais des vlogs, je suis maman de 3 enfants, je fais que ça. En plus, j'ai rajouté, je vous apprends quelques mots kabyles que je connais. Actuellement, ma situation actuelle, ce qu'elle me permet de faire, de ça, mais je ne peux pas actuellement. Il me faut la disponibilité, il me faut du temps, il me faut pourquoi. Vous ne le faites pas, vous me le proposez pas avec politesse en plus. Après, il me dit encore une cabine de pacotille. Voilà, après, il me dit vieux. Après, la Mazéantide. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Vous créez une chaîne, vous faites sur l'histoire des Berbères, l'histoire des Amazirs. Voilà, vous faites toutes ces choses-là. C'est bien, moi je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour l'instant, ce que j'ai à vous proposer, si vous voulez regarder. Si vous ne voulez pas, vous ne regardez pas. Pourquoi vous rabaissez les gens? Pourquoi vous n'êtes pas gentil? Voilà, avec gentillesse, avec des mots voilà, qui passent, pas avec une agression, être brutal, ne passe pas, ça passe pas. Ça, c'est en général, c'est les commentaires que je reçois depuis le début de ma création de ma chaîne. Sans oublier les bons commentaires que je reçois, beaucoup, beaucoup de commentaires magnifique, qui me soutient, qui me pousse d'aller d'avant. C'est vraiment incroyable, mais il y a toujours ces petits commentaires-là qui gâchent tout. Il y a toujours, c'est la minorité qui gâche, mais ils vont pas la gâcher parce que je vais continuer à faire ce que j'aime. Je dis merci beaucoup, beaucoup pour mes abonnés. Vous étiez magnifique, vous étiez formidable, vous étiez toujours là à me soutenir. Il y en a même qui, à chaque vidéo, ils me mettent un commentaire de soutien. Ça, je ne l'oublierai jamais. Même ma famille, mes proches, ils m'ont jamais. Il y en a pas tous. Il y en a jamais, ils m'ont écrit un message de soutien. Jamais ils m'ont soutenu comme vous le faites, comme vous l'avez fait. Je n'oublierai jamais et je vous dis merci, merci. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne depuis le début. Bon, ça va faire une année là. Voilà, je l'ai créée au mois de juin. Bon, bientôt au mois de juin, ça va faire une année. Qu'est-ce que je peux vous dire de ma chaîne? Elle va lentement, ça c'est sûr, elle va très très lentement. Voilà, j'ai pas énormément d'abonnés. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que notre famille va grandir. Au début, quand j'ai créé ma chaîne, je l'ai faite pour les Kabyles. Franchement, je vous dis franchement, je l'ai faite pour les Kabyles ou les Amaziren qui comprennent bien sûr le Kabyle ou Tamazir. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que mes spectateurs, même sur ma chaîne, sur les statistiques, j'ai vu 70% sont de France. C'est énorme, c'est beaucoup. 70% sont de France. Et il n'y a que 8% d'Algérie, certainement de la Kabylie, et certainement c'est de ma famille. Amis, regarde. Pour vous dire, je comptais la faire pour les Kabyles, je comptais la faire pour les Amazirs, et je me retrouve avec des gens assoiffés, des gens qui veulent apprendre leur langue, des gens qui s'intéressent aux Kabyles, aux Amazirs. Ça me touche vraiment. Après, il y a quelques pourcentages des petits, il y a le Maroc, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a l'Ukraine. Je sais pas si qui me regarde.
l'Ukraine, mais je vous adore. Merci beaucoup, beaucoup pour votre confiance. Dites-moi qui vous êtes de l'Ukraine. Pour vous dire, la première, quand j'ai fait ma chaîne, il y a d'ici en Kabylie, d'Algérie, en Kabylie, et je me retrouve avec voilà, des gens de France qui veulent apprendre, et ça me fait très, très, très plaisir. J'ai fait cette chaîne en Kabylie. C'est vrai que ça marche pas trop. Il faut dire la vérité. Ça marche pas trop parce que j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas énormément de vues. Peut-être je mets du temps. Il faut du temps. Mais voilà, ça fait un an quand même. Il faut du temps encore peut-être. Juste pour vous dire, je ne peux pas faire autre chose. Il y en a qui veulent que je fasse en arabe. Je ne peux pas la faire en arabe ou en français. Pour moi, si je vais la faire en français ou en arabe, si je trahis ma langue, pour moi, c'est une trahison. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'arrive pas, même si ça ne marche pas. J'arrive pas. C'est comme si je vais trahir ma langue, je vais trahir mon identité, parce que c'est la première langue que j'ai parlé. Je vous parle de deux souvenirs que j'ai jamais dit à personne. Vous serez les premiers à les entendre. Mon premier souvenir, quand j'étais petite, à l'époque en Algérie, en Kabylie, on rentrait à l'école à l'âge de 6 ans. À l'époque, moi, j'étais vraiment petite, à 6 ans, je ne suis pas mature, mais il y a des souvenirs qui revenaient. Mon premier souvenir, mon premier jour à l'école, quand je suis allée rentrer pour la première fois à l'école. Je me rappelle ce jour-là, il fait sombre, c'était pas l'hiver, mais il n'a pas fait beau. Et j'avais, en fait, tout ça se passe dans la tête. Tout ça se passe dans la tête. Dans ma tête, c'était la première fois. Et je me disais dans ma tête, je vais étudier l'arabe. Dans ma tête, c'est une langue étrangère que je ne connais pas. C'est maintenant que je me rends compte. À l'époque, c'était voilà, normal. J'avais mon entourage kabyle, mes parents ne parlent pas kabyle, les voisins, les amis, tout. Et je me retrouve à l'école. Pour moi, c'est une langue étrangère. J'apprenais une langue. À l'époque, voilà, on a appris ça, on a grandi, etc. Avec ça, il n'y a pas de souci. Pour vous dire, je ne veux pas cet abandon. Ça, c'est ma liberté. J'ai fait une chaîne pour moi et je suis libre de contenu. Je suis libre de langue que je parle. Aujourd'hui, je vous fais en français parce que je veux que tout le monde comprenne. C'est pas un blog, c'est pas une routine, c'est pas un cours. Je veux que tout le monde comprenne ce que je dis. Un autre souvenir, quand j'ai eu mon bac à l'époque, et j'ai choisi d'aller à Alger. Voilà, parce que l'information et la communication ou le journalisme, il fallait choisir Alger pour faire ses études. Le premier jour aussi, quand je suis à Alger, c'est la même chose. Cette peur-là, elle est toujours. C'est un souvenir que il y avait une, je connaissais une directement, c'est accroché. On dit Alger, c'est la Kabylie. Toujours ils se disent d'origine kabyle. Ils sont fiers depuis les événements. Voilà, les 80, 88, 2000, et ils sont vraiment fiers d'être kabyles, de leurs origines. Et je me rappelle, je me disais comment je vais m'en sortir. Eux, c'est leur langue, ils parlent l'arabe tous les jours, ils étudient l'arabe tous les jours. Et moi, l'arabe, je l'ai appris qu'à l'école, comment je vais m'en sortir? Ils vont être très forts pour moi. Ils vont être très forts, vous comprenez. H24 là, et moi qui est kabyle, je parle kabyle avec ma famille, mon entourage et tout, comment je vais m'en sortir? Pour vous dire, les deux peurs là, la première, c'est une langue étrangère que je vais apprendre, cette peur là de ne pas y arriver quand j'étais petite, à 6 ans, et la peur quand j'avais 18 ans, cette peur-là de contact avec les gens qui connaissent la langue, qui la parlent tous les jours, il y a toujours.
toujours cette peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des gens qui pensent pareil qu'en moi, vous me dites en commentaire pour que je le sache, pour savoir si je ne suis pas la seule qui a ce sentiment-là quand j'étais à l'école, les deux périodes de ma vie. Voilà, c'est deux souvenirs que je me rappellerai toute ma vie. C'est pour ça, c'est comme si je fais une autre langue, si je la transforme cette chaîne en une autre langue, ça va être c'est comme un abandon pour moi. Et c'est très très difficile, croyez-moi, c'est très difficile de faire, peut-être de faire une autre chaîne. J'ai essayé de faire une autre chaîne, mais j'ai pas le temps de mettre de contenu, j'ai pas le temps de mettre beaucoup plus. Voilà, j'ai préféré de mettre beaucoup plus sur cette chaîne en Kabyle que l'autre. Le peu de temps que j'ai, je voulais le consacrer au Kabyle et à la Kabylie. J'aimerais bien faire beaucoup plus. J'aimerais bien. Mais une fois que j'ai le temps, je vais vous parler d'un autre sujet qui m'a vraiment fait peur. Moi aussi, c'est comme vous, je regarde des youtubeurs, des youtubeuses, j'adore regarder. Et voilà, je regarde des youtubeuses algériennes, je regarde des youtubeuses françaises, des youtubeuses américaines, je regarde même des vidéos des chinois, j'adore regarder, même si je ne comprends pas, quand c'est de la décoration, quand c'est des choses, voilà, des vlogs, des routines, j'adore regarder. Ce que je reproche aux youtubeurs algériens, voilà, certaines sont kabyles, l'égoïsme. Certaines, elles sont égoïstes. Quand on leur envoie des beaux commentaires, elles répondent avec un cœur, elles sont toutes contentes. Mais quand on leur envoie des vidéos pour des conseils, pour du soutien, pour, voilà, je la regarde, pourquoi pas, si elle peut me soutenir, si elle peut me donner des conseils pour moi aussi, pour que je réussisse comme elle. Non, elles te répondent de même pas. Alors qu'avant, elles m'envoient des cœurs, elles m'envoient merci et tout. Et quand je demande des conseils, je demande du soutien, je reçois aucune réponse. Mon cœur, je le reçois même pas. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bas. Par contre, quand je vois des youtubeurs ou des youtubeuses marocaines, franchement, chapeau. Je les adore parce que ils sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires. Je voyais plein de youtubeuses qui soutiennent des petites chaînes, qui leur font même la publicité pour les faire connaître, pour les soutenir. Mais nous, je ne sais pas pourquoi cet égoïsme, ça existe en Algérie. Il y en a certaines qui sont vraiment en Algérie. Moi, je voulais en Algérie parce que, comme je vous ai dit, j'ai 70% de France. Et j'aimerais bien que je me fasse connaître en Algérie, en Kabylie, parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas ma chaîne. Voilà. C'est pour ça, partagez à votre famille en Algérie, partagez en Kabylie, peut-être qu'ils ne connaissent pas ma chaîne, c'est pour ça qu'ils ne regardent pas. Voilà, je vais fermer ces sujets-là, je vous ai parlé des commentaires négatifs, tout est négatif, je vous ai parlé de mes deux souvenirs qui sont formidables, qui sont source de ma volonté pour faire cette chaîne en Kabyle, pour dire merci beaucoup à mes abonnés, chers abonnés, je vous adore. Même si je ne vous connais pas, avec vos gentils messages, avec vos soutiens quotidiens, ça... Merci vraiment, je ne sais pas comment je vous remercie, mais je vous dis merci, merci beaucoup. On est à la fin de la vidéo, je ne parle plus de ces sujets-là, ou des commentaires racistes, des préjugés, je ne parle plus de ça, c'est ma dernière fois que je parle, même si je les reçois, s'ils sont sympathiques, je les laisse, s'ils sont... violent, brutal, je les supprime, je ne discute
même pas. Sur mon kabyle, je vous explique, je parle comme ça kabyle. Voilà, kabyle de Bjaïa, je vous ai dit que c'est un kabyle qui mélangeait l'arabe et le français. J'essaye de faire, de vous donner des mots en tamazir quand je peux. Et si je connais, bien sûr, si je ne connais pas, je ne peux pas. Il faut que je fasse des recherches. Voilà, et ça, ça demande beaucoup de temps. Je le ferai, mais pas actuellement. J'ai 3 enfants en bas âge. J'ai beaucoup, beaucoup de responsabilités à la maison. Je fais l'école à la maison. La pandémie actuelle, elle nous a, elle nous a gâché l'existence, mais elle nous a changé tous nos plans. Moi, elle m'a changé mes plans quand j'ai commencé. J'ai dit, j'amène les petits à l'école. Mon dernier, je l'amène à la crèche. Voilà, et je ferai ma passion, ce que j'aime. Mais on a planifié ça, mais le Dieu, il nous a dit autrement. Voilà, je ne peux pas. J'ai ma responsabilité à la maison, l'entretien de la maison. Mes enfants, ils sont 3. Le dernier, il commence à marcher. Mon de Dieu, le dernier commence à marcher. Il faut être derrière lui tout le temps. Parce que pour moi, il y a du danger partout, même l'extérieur. Voilà, ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai pas oublié ma passion. Je vous ai pas oublié. Je vous oublie pas. Quand je peux, je vais vous faire des vidéos petites ou moyennes. J'ai arrêté de parler. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bon courage. J'espère que cette pandémie disparaîtra à jamais. On redevient comme avant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous adore.